Jodi a li se yon gwo jou nan l'histoire l'humanité. Jodi a li rappele nou yon citoyen ki se Adolf Hitler. Nan pretoune nan le passé, li rappele nou Almay Nazi. Pou ki sa 8 mai se yon gwo jou pou l'humanité, pou ki sa 9 mai se yon gwo jou pou l'humanité. Jodi a nouvel ki vini nan zorey nou, Volodymyr Zelensky décidé pour capable célébrer victoire sous nazi 8 mai au lieu de 9 mai. Pour qui ça en pile pays célébrer jour victoire sous nazi le 8 mai et gien l'autre pays tant la Russie qui célébrer victoire sous nazi le 9 mai. Nous parlons ça en dans vidéo ça. Mesdames messieurs, jodi a li rappeler nous deuxième guerre mondiale. En pile nan nous qui jeune en pile nan nou ki étudie histoire, 1er septembre 1939, 2 septembre 1945, c'était période Deuxième Guerre mondiale, qui te gen pays allié yo et axe qui tap goumen. Mesdames, messieurs, yon jou ki te 8 mai 1945, tapral genyen sa ki rele capitulation. Qui ça qui capitulation? Capitulation, c'est ça que nous les reddition sans condition. C'est lorsque gagne un combat et puis yon parti pour accepter que lui-même li perdit combat. Eh bien c'est ça qui t'est passé 8 mai 1945. Gagne groupe Axla qui t'est gagne en dans li Allemagne, Italie, Japon, yo t'a pral accepter que eux-mêmes yo perdit combat et puis gagne groupe allié qui t'a pral remporter combat en dans groupe allié. Nous te joignent plusieurs pays parmi yo Grande-Bretagne, nous te joignent les États-Unis d'Amérique, nous te joignent Union République Socialiste Soviétique. Mesdames messieurs, te gagné la France tout. Eh bien parti Axla perdit, Allemagne Nazi perdit, Italie fasciste perdit deuxième guerre mondiale. Kounya mesdames messieurs, en nous comprendre peut-être qui ça nous gagnent deux dates que monde l'a célébré 8 mai 9 mai et spécialement la Russie. C'est parce que nous t'ai gagné deux capitulations. Dans date qui était 30 avril 1945, gagné Adolf Hitler qui t'est suicidé tête li. Puisque Adolf Hitler yon toro on capable di gondé qui t'est dans tête deuxième guerre mondiale la raid et qui t'a frappé rivon côté li di bye bye avec la vie. Mesdames messieurs, après la mort Adolf Hitler, pral gen amiral Dönitz qui pral prend manette là. Hitler mouri, amiral Dönitz remplacé. Gen amiral Dönitz pa bon côté pa li qui pral décider pour capable mettre fin dans guerre. Li voye chef état-major li à l'époque général Jodi pour capable al rencontrer des commandants force alliés qui étaient en face yo pour capable signer reddition partielle yo. C'était dans pays la France pour t'es capable al rencontrer commandant sa yo. Dans date 6 mai, gagné chef état-major allemand ça qui proposait une reddition partielle. Et reddition partielle ça général là proposé à la France, les États-Unis d'Amérique, pas beaucoup de pas, yo te recevoir général là, mais gagnent soviétique yo, Union République Sociale Soviétique qui pas d'accord non seulement avec une reddition partielle et tout yo pas d'accord parce que général là pas de vin joine yo. Dans date 7 mai 1945, gagnent allemand yo qui pral accepter que yo totalement perdu guerre, yo pral signé une reddition totale. Mais mesdames, messieurs, te gen un petit problème nan moment ça. Lorsque texte la tap signé, texte la te signé par un général États-Unis, un général pays la Russie, un général pays la France, puisque la Russie li si un pays qui vraiment éloigné, texte la te dit que li signé le 7 mai, combat yo ap suspend le 8. Jou célébration ta pral 8 mai. Mais à l'époque te gagné Staline qui était nan tête Union République Socialiste Soviétique, officier qui pou te vinn joine
Staline avec texte là officier pas gen temps rivé Staline pas informé à temps mesdames messieurs de décision qui s'est gagné qui s'est pas gagné qui j'ai toute bagarre fait Staline pas informé à temps eh bien gagné Staline qui t'a refusé premier signature là qui t'a fait là seulement parce que représentant là pas de temps sorti dans pays la France pour arriver joindre dans Moscou qui c'est capitale pays la Russie. Eh bien mesdames messieurs Staline mandé pour capable re-signer capitulation. Réellement, général état-major Almaïla t'a accepté et y aurait signé capitulation. Mesdames messieurs, prêtez attention. Dans le moment deuxième signature là a fait là, l'était 8 mai. 8 mai ça l'était environ 22h43. 22h43 pour la France, li déjà minuit 43 à l'époque dans la Russie. Pour la France, li c'est date 8, pour la Russie, li c'est date 9. C'est là, mesdames messieurs, différence l'en sortie qui fait que la Russie commémore jour le 9 et puis pays la France plusieurs autres pays encore commémore joie le 8 qui te gagné même le à la France c'est vrai après date 8 mai 1945 guerre te continue guerre ta pral prend fin total 2 septembre 1945 pays Allemagne depuis jour yo si en capitulation yo te déjà accepté que perdi guerre mais gain tout général que ou même te voyé a al sien capitulation ça qui était tout fait vrai pour pays sans chapeau yo te exécuté li si jodi an c'est 8 mai eh bien gain pays cap célébrer c'est le cas de pays la France mesdames messieurs tendez à quoi c'est deux yon jour historique pareil mais comment Emmanuel Macron a célébré côte moun yo ça te passe à moun yo même gagné un confrère sur Twitter François qui partageait une photo le dit 1945 mais comment le tayé 2023 mais comment lié avec Emmanuel Macron ça te passé son célébration en pile monde de réuni mesdames messieurs Emmanuel Macron à cause peuple a plaidé faire manifestation dans Dadal à cause peuple a déchaîné pour question retraite que lui-même li vin avec l'IA et bien Emmanuel Macron dit tout monde rete la caillou di interdit moun yo déplacer pour aller sous Champs-Élysées et bien Emmanuel Macron choisi faire comme ça yon nan photo de pi comique Emmanuel Macron si le levé main en l'air mesdames messieurs l'a salier public là voilà comment défiler Emmanuel Macron en fait pratiquement pour compte li avec cortège li en tout cas c'est comme ça le tayé dans pays la France demain si Dieu veut n'a pourrait commencer à pied dans pays la Russie. Restez connecté avec les immigrants. Si on plaisir pour que nous capables continuer à former. N'a pourrait tard le comme ça pour l'autre sortie.